tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je me trouvais tellement hot avec mes fake lunettes. Mais là, je pense que ça va faire vraiment trop de reflets, donc je vais les enlever. Mais je trouvais que ça fitait vraiment avec mon look d'aujourd'hui. Pour commencer, je voulais juste vous dire merci si jamais vous êtes tout récemment arrivé sur ma chaîne. J'ai eu pas mal de nouveaux abonnés dans les dernières semaines. Donc merci de vous être abonné, merci de me faire confiance. J'espère sincèrement qu'on va avoir du plaisir ensemble. Vous allez voir, je suis une petite boule d'énergie et j'aime vraiment ça parler avec mes abonnés. Donc n'oubliez pas d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux aussi pour qu'on apprenne à plus se connaître. Et aussi, si vous n'êtes pas abonné, ben je sais pas qu'est-ce que vous attendez pour le faire. C'est gratuit, ça prend une demi-seconde et vous allez faire ma journée. Donc aujourd'hui, je vais vous filmer mes favoris du mois de juillet et j'ai vraiment plein de trucs que je suis vraiment contente de vous parler. Je vais commencer tout de suite avec mes favoris mode parce que c'est évident. Mon choker, ok, pour vrai, genre si tu m'avais dit il y a 10 ans que j'allais reporter un choker dans ma vie, je t'aurais dit, t'es tellement ridicule, c'était tellement laid quand j'étais jeune. Mais je vous avoue que je suis en amour avec mon choker 9,95 au dynamite. Pour vrai, je capote. Je le porte comme legit tout le temps. Je trouve tellement que ça change le look au complet. Genre, ça... T'as l'air d'avoir plus de style, de plus savoir comment t'habiller parce que tu portes un choker. Donc voilà, je regrette tellement pas mon achat. Pour vrai, je capote. Mon autre produit, mon autre favori mode, c'est ces souliers-là ici que j'ai pris au Ardennes. Là, ils sont un peu sales, là, je vous avoue. En passant, si vous avez un truc pour nettoyer les souliers blancs, okay, dites-moi-le. J'avais pensé à l'OxyClean, mais je suis comme pas sûre. Là, je suis allée dans le sable avec, donc that's it. C'est tellement confortable, pour vrai, il y a comme une mousse mémoire à l'intérieur. Ardennes, ils me sont venus à, tenez-vous bien, 1$ parce que j'ai acheté dans le fond un article, puis le deuxième était à 1$. Puis ça faisait vraiment longtemps que je les regardais, donc je me suis dit, why not? Pour vrai, je les adore, je les aime tellement, c'est méga confortable. Ça aussi, pour vrai, là, ça se porte avec tout. Je trouve tellement que ça change le style, donc voilà, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Mon autre favori, regardez, je me suis acheté un Funky Pop Baby 8. Ça faisait tellement longtemps que je le regardais. Vous comprenez même pas à quel point je suis heureuse de mon petit Baby 8 ici qui sera maintenant désormais dans mon décor for eternity. Ensuite de ça, je vais vous présenter mes favoris maquillage. Je vous avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas eu des coups de cœur maquillage. Ça faisait longtemps, je pense, que j'ai pas fait de favoris du mois tout court. La BB Crème pour peau grasse Clean Matte de CoverGirl. J'en ai fait une revue qui dure 4 minutes. Là, c'est vraiment... Pourquoi je fais ça de même? Qui dure 4 minutes. Ça dure 4 minutes. C'est vraiment pas une longue vidéo. Donc, si jamais vous voulez savoir plus profondément ce que je pense de cette BB Crème, vous irez voir la vidéo. Mais en gros, je l'adore. Ensuite de ça, j'ai racheté un vieux favori qui est le mascara de Rocket Volume Express. Honnêtement, là, quand je l'ai réessayé, j'étais là, pourquoi j'ai autant trippé sur ce mascara-là? Je comprends pas pourquoi j'ai aimé ce mascara. Et finalement, c'est devenu mon go-to pour les couches. Parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je mets toujours 8 couches de mascara, ok? Legit, à peu près. Et j'ai toujours comme un mascara allongeant avant qui va venir définir. Et ensuite de ça, je vais venir acheter un mascara volumisant et lui comme... Je l'aime tellement. Toute seule, je l'aime pas, mais en deuxième, troisième, quatrième, cinquième couche, je l'aime vraiment. Faut juste que je fasse attention parce que plus t'en appliques, plus il va finir par comme jammer les cils ensemble. Mais pour vrai, comme, je l'aime. Et j'ai trouvé... Amen! J'ai trouvé mon duo lèvres rouge préf de toute la vie, ok? Si vous cherchez un bon rouge à lèvres rouge, tu sais, un beau rouge à lèvres rouge, là, that's it. Le rouge à lèvres en tant que tel, c'est de L'Oréal Paris, c'est dans les collections exclusives. Celui-là, c'est Blake's Red, donc c'est le rouge de Blake Lively. La couleur 402, ok, êtes-vous prêts? I know. Puis moi, pour vrai, je pensais que ce rouge-là me faisait pas bien, mais à toutes les fois que je le porte, j'ai plein de compliments. Donc, voilà. Et là, je me suis dit, je peux pas porter un rouge sans m'acheter un lip liner, un crayon à lèvres, parce que pour vrai c'est tellement difficile d'appliquer du rouge sans faire de dégâts. Et j'ai acheté le crayon, mon premier crayon à lèvres de toute ma vie, qui est de Annabelle. C'est
c'est le Still Sharp Waterproof Lip Liner. C'est dans la couleur Glam Red. Et pour vrai, les deux couleurs ensemble se marient tellement, tellement bien. Comme pour vrai, ça a l'air d'être carrément la même couleur. Je suis vraiment contente de ma trouvaille, là, pour vrai. Je suis bien énervée. Et ce qui est le fun, c'est que ça s'aiguise toute seule. Regardez ça. Fermé et aiguisé. L'autre bas. Non, l'autre bas. Là, mettons que tu l'ouvres. Il est aiguisé! What is life? La technologie des rouges à lèvres maintenant. Là, je la regarde, je suis comme... Damn girl, c'est vraiment le même rouge. Ok! Côté soin, j'ai ici la lotion tonique hydratante de fruits et passions. Je vous en ai parlé, je pense, dans mon haul cosmétique. Moi, je l'ai payé 3,75 en rabais, legit, genre, je suis trop contente. Je l'aime vraiment beaucoup, par contre, je l'utilise pas le matin parce que j'ai peur, en fait, je l'ai jamais essayé, mais j'ai peur qu'elle soit un peu trop riche pour le matin. Par contre, je l'aime parce que, tu sais, une lotion tonique, ça assèche un peu la peau, mais ça, t'as comme l'effet asséchant, mais qui vient tout de suite hydrater après. C'est ce que j'aimais pas d'une lotion tonique parce que, justement, ça venait vraiment assécher ma peau, alors que ça, ça fait vraiment un bon mélange. Ça vient vraiment nettoyer les impuretés qui restent après avoir nettoyé mon visage. Je l'adore. Si vous passez aux fruits et passions, vous pourrez aller l'essayer. J'ai un produit parfum, ok? Je pensais jamais vous présenter un parfum parce que je suis vraiment pas une fille de parfum, ok? C'est un échantillon, j'essaie de remettre dedans, qu'on m'a donné à la pharmacie. C'est le parfum Loverdose de Diesel, ok? Genre, j'ai quasiment fini mon échantillon, là. Mais genre, je l'aime tellement. C'est sûr et certain que je vais me l'acheter pour vrai, là. Genre, je trippe tellement. Puis les parfums, des fois, là, j'ai tellement de la misère à me trouver quelque chose, genre, qui me convient. Ça, je l'aime parce qu'il y a comme une odeur sucrée, mais comme pas trop. Ça sent pas trop la vanille, ça sent pas trop la poupoune. Pour vrai, si vous avez la chance d'aller l'essayer, je sais que Samy, t'arrêtes pas de me dire que t'aimes full les parfums, là. Ben, celui-là, va l'essayer parce que, legit, ça sent bon. Maintenant, je vais vous présenter un thé. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur comme ça pour l'été. Honnêtement, guys. Kibou thé, ok? Si vous connaissez pas ça, souvent, je pense que ça se vend dans les IGA. Tu sais, la petite fille à la boutique de thé, là, qui dit toujours bonjour à tout le monde en sortant, puis que j'avais personne qui va y acheter du thé. La boutique Kibou thé, pour vrai, ça, c'est le rooibos gingembre. En fait, c'est un thé au gingembre et aux amandes. Moi, j'adore le gingembre, pour vrai, là, genre, l'été au gingembre, j'aime vraiment ça. Mélanger des amandes avec ça, je capote. Pour vrai, là, c'est tellement délicieux en thé glacé, je capote. Ça sent vraiment, je vous jure, là, ça sent vraiment le gingembre mélangé avec les amandes, puis il y a comme un petit arrière-goût de... Ah, voilà, j'allais dire, il y a comme de la réglisse dedans, mais oui, racine de réglisse. Pour vrai, mais si vous aimez pas la réglisse noire, le faites-vous-en pas, vous allez aimer le thé pareil. Il goûte pas vraiment la réglisse noire, c'est juste qu'il y a comme une petite odeur, mais pour vrai, là, si vous avez la chance, achetez-vous genre un 3 grammes au pire, là. Ça se fait-tu un 3 grammes? J'en ai aucune espèce d'idée. Moi, j'ai pris un 50 grammes, je pense. Ouais. Au pire, achetez-vous juste pour y goûter, là. Il est malade en thé glacé, vous allez capoter. Mon dernier favori, dis-moi, c'est un livre, et ça fait très longtemps que je vous ai pas présenté un livre dans mes favoris. Parce que ça fait premièrement très longtemps que j'ai terminé un livre autre que pour l'école. Je me dis tout le temps pendant l'été, je vais full lire, mais quand j'arrive pour me reposer, je finis tout le temps par checker mon cell ou le soir avant de m'endormir, je finis tout le temps par regarder mon téléphone. Donc, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, mais bon. Et j'ai lu récemment un livre, évidemment, si je vous en parle aujourd'hui, parce que la semaine passée, j'ai passé 2 jours en camping avec ma belle famille, donc j'ai tellement relaxée et ça m'a tellement fait du bien de juste m'asseoir puis lire un livre, là, vous comprenez même pas. Je suis une grande, grande amoureuse de livres, pour vrai, là, genre, moi, là, je lirais tout le temps si je pouvais, sauf que depuis comme quelques années, on dirait que je suis plus capable de autant garder le beat de lecture parce que, justement, je cours tout le temps partout puis j'ai de la misère à juste m'asseoir puis rien faire. Mais là, j'avais... Ben, c'est pas rien faire, là, mais en tout cas, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Et là, j'ai vraiment trouvé un livre qui m'a accrochée. Et c'est Princess Bride. J'ai loué ça à la bibliothèque en me disant, c'est sûr que si j'ai aimé le film, je vais aimer le livre, mais je l'ai beaucoup aimé plus que je pensais. Dans le fond, Princess Bride, c'est quoi? L'histoire, originalement, elle a été écrite par Monsieur Morgan Stern et elle a été publiée, ben pas publiée, mais popularisée par
le monsieur William Goldman, qui est celui aussi qui a écrit le film Princess Bride, ou La princesse bouton d'or, si je ne me trompe pas. Dans le fond, l'original, c'est un livre, ce que Morgenstern a écrit, c'est un livre de 1000 pages, qui est aussi une histoire, mais beaucoup une critique de son pays aussi, donc une critique sociale de son pays. Donc, ce que Goldman a fait, c'est qu'il en a écrit une version abrégée qui était plus facile à lire et dans le fond, il a gardé seulement les bouts intéressants de l'histoire selon ce que lui croyait. Puis ce que j'ai tellement trouvé intéressant avec cette version-là, c'est que dans le fond, il y a une partie qui est autobiographique, donc que Goldman y raconte comment que quand il était petit. Je sais pas si vous avez vu le film, mais tu sais, au début du film, là, il y a comme le petit gars qui se fait lire l'histoire par son grand-père. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé avec Goldman. Dans le fond, il était malade, il avait une pneumonie, puis son père, dans le fond, il lisait le livre. Mais ce qu'il s'est rendu compte en voulant faire la en voulant publier le livre, c'est que son père, il lui lisait juste les moments intéressants. Donc, c'est ce qu'il a décidé de faire en faisant lui-même une version abrégée. Et ce que j'ai trouvé vraiment drôle, c'est que il a vraiment commencé à aimer la lecture à cause de Princess Bride, puis il est devenu un écrivain, c'est lui qui a fait le film, tout ça, puis il raconte tout comment il a passé à travers tellement de péripéties justement pour pouvoir faire le livre, faire la version abrégée. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et même l'histoire originale en tant que telle a beaucoup d'humour. C'est super drôle, fait que tu sais, c'est très léger, c'est pas très léger, mais tu sais, c'est pas compliqué comme lecture si vous voulez une petite lecture d'été. Puis si jamais vous avez aimé le film, ça c'est l'édition 25e anniversaire, donc il y a encore plus de contenu de la part de l'auteur. Donc voilà, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas aimé autant un livre, puis pour vrai, ça m'a fait du bien. Moralement, ça m'a fait du bien. Je voulais vous faire comme une vidéo lecture du moment, mais pour vrai, je lis tellement pas assez, où je commence des livres puis je suis juste incapable de les terminer, malheureusement. Donc là, je vous en parle dans mes favoris du mois, en espérant que ça prendra pas genre 8 mois et demi avant que je vous présente un autre livre que j'ai lu et terminé et aimé. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de juillet. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous embrasse très très fort, puis nous on va se voir la prochaine fois. Bye!